Merci Guillaume, voilà qui était une introduction tac, efficace. Quel cadre pour les médias électroniques en Suisse ? On aurait pu demander quel cadre pour les médias tout court. On aurait pu se demander quel écosystème pour les médias. On aurait pu aussi intituler la conférence « Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Puisque c'est un peu la question que tout le monde se pose, que l'on parle des médias électroniques, qu'on parle des médias de presse écrite, si tant est que ça existe encore, qu'on parle du service public dans ces définitions mouvantes. Donc on a une discussion intéressante ici avec des gens qui normalement connaissent assez bien leur sujet. Ce qui est bien, c'est qu'on ne part pas avec une feuille blanche, on part avec cette fameuse loi sur les médias électroniques qu'évidemment vous avez tous et toutes appris par cœur avant de venir ici. Si vous ne l'avez pas fait, je vous conseille un excellent résumé sur le site de l'Ofcom qui commence en expliquant que c'est une loi judicieuse. Donc si l'Ofcom le dit, c'est que c'est vrai. La loi, vous le savez peut-être, est en consultation depuis le mois de juin. Donc on va la passer au crible et puis on va essayer de voir ce qu'elle nous dit et peut-être ce qu'elle ne nous dit pas avec un panel prestigieux et imposant comme ça d'invités que je vous présente rapidement. En commençant par là-bas, Hugues Hiltzpold, conseiller national PLR Genevois, membre de la CTT pour les intimes, pour le reste du monde c'est la commission des transports et des télécommunications. Pierre Maudet, conseiller d'État Genevois en charge du département de la sécurité et de l'économie. Ariane Dayer, rédactrice en chef d'à peu près tout, c'est-à-dire Le Matin Dimanche et les publications de ta média en Suisse romande. Gilles Marchand, directeur général de la SSR, bonsoir patron. Géraldine Savary, sénatrice socialiste, membre elle aussi, mais pour le Conseil des États de la fameuse commission. Antoine de Rémy, qui est le directeur, le patron de Media One Group. On a quoi Media One Group ? On a One FM, LFM et puis Radio Lac, qui fait une arrivée tonitruante sur le canton de Genève. Vanessa O'Connor, directrice de la communication et de la relation avec les membres de l'UER. Peut-être vous nous direz un mot sur l'UER, parce que tout le monde n'est pas familier avec les activités de l'Union Européenne de Radio-Télévision. C'est juste, hein ? C'est juste, je ne me suis pas trompé dans l'intitulé, voilà, vous me rassurez. Marcel Regnotto, qui est suppléant du chef de la division Média de l'Ofcom. Il va avoir très tout de suite, là maintenant, la lourde tâche de défendre cette loi, qui, vous le verrez, ne fait pas forcément l'unanimité. J'allais oublier Annick Dubié. Comment oublier Annick Dubié ? Bien sûr que non, directrice de l'Académie du journalisme et des médias de l'Université de Neuchâtel, éminente sociologue des médias. On a quoi ? Une heure ? Je ne sais plus à quelle heure on doit rendre l'antenne. À 19h30, je crois, on rend l'antenne. On prendra quelques questions, remarques, interventions, coups de gueule, inquiétudes dans la salle. Mais j'ai parlé avec à chacun de vous, à peu près, ou presque, pas tous. Je m'en excuse pour ceux que j'ai pas eu le temps de voir. Avant ce débat, et ce qui frappe, je le disais, Marcel Regnotto, c'est qu'on a un texte qui fait à peu près l'unanimité contre lui. On va voir peut-être pourquoi dans le détail, mais sur le principe, on en est là un petit peu aujourd'hui. Vous n'avez pas une tâche extrêmement simple. Alors expliquez-nous un peu pourquoi tout ce monde qui va s'exprimer a tort. Merci beaucoup. C'est effectivement une tâche ardue, mais si votre diagnostic est juste, peut-être qu'on peut aussi l'interpréter d'une autre manière et dire que le Conseil fédéral est peut-être un petit peu dans le juste. Il a trouvé une voie médiane de satisfaction ou d'insatisfaction parce que ce projet de loi amène des changements, des améliorations pour beaucoup de gens, mais ne satisfait pas tous les besoins. Donc ça ne m'étonne pas qu'au départ, on ait plus d'insatisfaits que de satisfaits. Ça, c'est très suisse. Hein, la voie médiane d'insatisfaction, c'est quand on fait juste. Ariane Dayer, je vous passe la parole. Vous incarnez la presse écrite aujourd'hui. Il y a suffisamment de micros ou pas ? Ah oui, vous avez tous vos micros. Enfin, presque. Si vous arrivez à vous les passer, c'est génial. Ariane Dayer, on a beaucoup lu, beaucoup entendu que la LME, puisque c'est son petit nom, oubliait, je crois que c'est le mot le plus utilisé dans les titres, y compris les vôtres, oubliait la presse écrite. Vous vous sentez oublié par ce texte ? C'est peu dire, voire méprisé, effectivement, en tant que journaliste de l'écrit. Et je crois que cette loi, et je suis désolée monsieur, ne le prenez pas personnellement, mais totalement dépassée. J'ai à peu près jamais rien vu d'aussi ringard. C'est incroyable. Quand on dirait qu'elle a été construite dans les années 60, enfermée dans une pipette de laboratoire. Et elle n'a rien à voir avec ma vie, avec ce que je vis professionnellement, avec ma branche aujourd'hui. C'est vraiment très, très étonnant. Je suis assez effarée, je dois dire. C'est même pas la voie médiane, c'est au-delà de tout, quoi, je trouve. C'est une loi qui d'abord est ringarde parce qu'elle tient pas du tout compte du contexte international, de nos enjeux aujourd'hui, qui est la lutte notamment contre Google et Facebook.
Elle a une vision étriquée de ce qu'est un média électronique qu'elle tente de définir un peu pathétiquement, alors qu'aujourd'hui nous sommes tous cross-média. Ça n'existera plus dans nos vies. Une radio, une télé, un print seulement. On fait tous de tout, on aspire tous à faire de tout, donc c'est ringard. Et c'est extrêmement triste parce qu'on croyait, on avait pensé, avec l'immense écho qu'a eu la campagne sur Bilag, on avait pensé, on avait espéré qu'on aurait après, on nous avait presque promis, moi c'est ce que j'avais compris de la scène fédérale, on nous avait promis un vrai débat national sur la presse. Et ça n'est pas du tout ça aujourd'hui. C'est une manière de nouveau de soutenir la SSR, d'une manière qui n'est même pas complètement satisfaisante. Je crois que même si j'étais à la SSR, je ne serais pas complètement satisfaite. On entendra le point de vue de la SSR tout à l'heure. D'une manière... Même pas satisfaisante, mais c'est de nouveau, comme toujours dans ce pays, l'aide à la presse, c'est l'aide à la SSR. Le reste n'existe pas. Donc je pourrais rallonger sur toutes mes insatisfactions, mais elles sont nombreuses et ça m'est très en colère. Non, mais je veux juste rester sur ce mot oublié. Là, on sent, vous parlez de ringardise, mais les éléments saillants de cette ringardise, c'est quoi? Est-ce qu'en fait, vous n'êtes pas simplement... on ne parle pas de vous, en fait, on ne parle pas de la presse écrite et c'est ça qui vous dérange? Il est grand temps aujourd'hui qu'on se rende compte, ce qu'on a essayé de défendre pendant la campagne contre nos bilagues, que le service public, ça n'est pas que la SSR qui le fait. Le service public, nous le faisons tous, nous les journalistes. Nous le remplissons tous. Nous faisons vivre les débats politiques, les débats culturels, socio-économiques, etc. Donc il y a un moment où il faut en tout cas se partager un peu plus le gâteau et se donner des règles pour que la SSR n'ait pas le droit d'écrire aussi, ce qui n'est pas le cas, c'est pas du tout clair dans cette loi. Si la SSR a le droit, alors qu'elle est subventionnée et assise sur son tas d'or, comme j'aime à le dire, de la redevance, si elle est subventionnée et en plus elle peut faire de la concurrence déloyale en faisant de l'écrit, de la vidéo, avec des moyens beaucoup plus grands que les nôtres, on est écrasé dans l'année qui vient. Ça, on sent donc cette éternelle rivalité ou guerre entre les médias privés et la SSR poindre dans ce débat. On va peut-être d'abord continuer avec tous les acteurs médiatiques et puis ensuite on élargira, on essaiera de voir ce que chacun pense en bien ou en mal de cette loi. Alors si on continue avec les acteurs médiatiques, peut-être Antoine de Rémy, je continue avec vous. Vous êtes, je l'ai dit, directeur de Media One. Vous avez une radio Radiolac qui est une radio qui est maintenant vraiment une radio d'information, enfin en tout cas qui prend vraiment cette direction-là. Et puis One FM qui est plus une radio, qu'est-ce qu'il faut dire, musicale. Comment est-ce que vous avez accueilli cette LME quand elle est arrivée dans votre boîte aux lettres? Alors je vais vous dire, pour nous, je le cache pas, c'est très déstabilisant parce que jusqu'à maintenant, jusqu'à ce jour, nous avons toujours eu une bible entre nos mains qui était la LRTV. Et c'est vrai que cette nouvelle loi, finalement, elle efface tout. Et puis pour nous, c'est presque une page blanche devant nous. C'est en fait la libéralisation totale de ce marché-là, qui était très encadré jusqu'à maintenant, avec des règles et des règles de concession. Et nous sommes évidemment encore aujourd'hui sous ce modèle des concessions. Ce qui me frappe, c'est que pour l'instant, et je m'excuse d'ailleurs, pour les radios, en tout cas les radios privées, on est dans un système qui fonctionne bien. Alors, je ne dis pas que c'est un système qui est équitable, parce que vous parlez de Radiolac. C'est vrai que Radiolac devrait aujourd'hui avoir une quote-part de redevance. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Mais je dirais que le sujet qu'aujourd'hui, que les radios en Suisse, c'est un système qui fonctionne bien. Il y en a suffisamment. Elles sont encadrées. Elles ont un mandat de prestation. Et elles font, je pense, bien leur travail. Et si elles ne le font pas bien, elles ont des remarques, elles ont même des menaces, et tout ça fait que les radios rentrent dans l'ordre. C'est un système qui fonctionne plutôt correctement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, cette nouvelle loi, telle qu'on la lit pour nous, déjà, le mot radio n'existe pas. Il ne me semble pas avoir vu, M. Regnotto me contredira, mais je crois que je n'ai pas vu le mot radio écrit dans cette loi. Donc c'est vrai que pour nous, qui vivons de ce métier, qui avons investi pour ce métier depuis très longtemps, des gros moyens qui engageons beaucoup de monde. Aujourd'hui, dans notre modeste entreprise, nous sommes 110. C'est vrai que ça nous déstabilise. Maintenant, c'est peut-être ce nouveau monde qui fait que tout est dérégulé. Peut-être que c'est ça, cette nouvelle loi. C'est là où je dirais que ce n'est pas une loi de 1960, mais c'est peut-être une loi de 2060 qui fait que tout est libéralisé et que finalement, plus rien n'est encadré. Et c'est là où moi, en tant que patron de cette boîte, évidemment, j'ai quand même quelques craintes. Qu'on comprenne bien les sources de votre frustration, elles ne sont pas pécuniaires en l'occurrence, puisque selon les termes de la nouvelle loi, Radiolac, l'une de vos radios, pourrait prétendre à un mandat de prestation et donc à une partie de la redevance.
on pourrait, peut-être pas sous forme d'une redevance, mais sous forme des nouvelles possibilités qui sont liées au monde journalistique, d'après la nouvelle loi, on pourrait effectivement toucher quelques bribes d'argent tiré de Bilag ou peu importe. Ça, c'est un fait. Mais aujourd'hui, dans le cadre actuel, on pourrait aussi, pour Radio Lac, faire des démarches pour avoir une quote-part de redevance. Mais ça, c'est un débat actuel, je dirais. Ce n'est pas un débat qui est lié à la nouvelle loi. Non, ce qui nous fait peur, c'est qu'il n'y a plus d'encadrement. Voilà, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, on est encadré, on a des concessions, et aujourd'hui, ce monde des concessions ne va plus exister. C'est ça, finalement, le fond du problème pour nous, radio. Je m'excuse de parler que de radio. On est un peu déstabilisé avec cette nouvelle loi. Gilles Marchand, Ariane Dayer disait c'est une loi pour encore une loi pour protéger la SSR. Youpi ? Non, pas du tout youpi. Non, non. D'abord, je me sens très encadré. Hein. Je me sens très encadré par cette nouvelle loi. J'ai l'impression qu'il y a un dispositif justement de régulation qui est fort, qui est très présent, ce qui nous concerne. Mais peut-être d'abord, avant de vous dire ce que je peux relever sur ce texte, d'abord quand même saluer la naissance aujourd'hui même de ce forum des médias romans, qui quand même montre que la branche arrive à discuter, arrive à s'entendre avec des acteurs qui, en règle générale, ont des intérêts parfois un peu divergents. En Suisse romande, contrairement à la Suisse alémanique, j'aimerais ici le dire, en Suisse romande, on arrive de manière assez intelligente, au fond, à discuter entre acteurs médias et essayer de trouver des solutions communes. Alors, de ce point de vue-là, disons, cette loi, elle ouvre un certain nombre de questions qui sont pour nous des questions importantes, qui ne sont pas véritablement réglées. Pour ne pas rentrer dans un détail trop long, j'en cite, disons, trois familles de questions importantes pour nous. La première de ces questions, c'est finalement notre capacité à coopérer avec des acteurs privés. J'ai entendu pendant la campagne Nobilag et après un fort besoin en Suisse d'une amélioration de la coopération entre la SSR et les acteurs privés, dans l'idée justement de développer un peu la coexistence des médias en Suisse face à des pressions internationales fortes. Là, je trouve qu'il y a dans ce texte une ou deux dispositions qui freinent vraiment de manière très significative ces possibilités de coopération. Je pense qu'il serait utile qu'on en rediscute un peu en détail. On peut peut-être préciser ce qui freine éventuellement les possibilités de collaboration. Il y a quelque chose d'assez précis, c'est l'idée que la fameuse commission indépendante qui est instituée par cette loi, donc c'est plus le Conseil fédéral, mais c'est une commission indépendante qui attribue, qui décide qui a le droit ou non à un mandat de prestation et donc à un peu d'argent. C'est cette commission-là qui devrait approuver toutes les collaborations entre la SSR et les médias, ce qui pose des problèmes organisationnels majeurs. Ben disons, pour faire simple et court, oui, c'est assez compliqué d'imaginer qu'une collaboration de quelque nature que ce soit doit, au fond, être l'objet d'une validation administrative. J'ose pas imaginer comment nous allons, de manière un peu réactive, un peu souple, développer des collaborations de différentes natures. Elles peuvent être d'ailleurs aussi bien programmatiques que plus institutionnelles. Je comprends qu'il faut encadrer la collaboration entre la SSR et les acteurs privés, notamment dans des problèmes d'exclusivité qui sont bel et bien significatifs. Mais en même temps, on devrait plutôt encourager, me semble-t-il, cette idée qu'on peut faire des choses ensemble et ainsi atteindre des masses critiques un peu plus grandes en Suisse face à des acteurs qui sont très puissants aujourd'hui et qui agissent dans le marché. Mais deuxième remarque, on est dans un marché, comme vous le savez tous, qui est complètement disruptif, qui bouge à une vitesse absolument vertigineuse. On ne sait pas ce qui va se passer dans les deux prochaines années. Et je crains qu'une loi qui fixe de manière extrêmement précise des contraintes, des restrictions, des impossibilités de développer de nouvelles recettes, etc., eh bien, elle empêche véritablement l'acteur public de se réinventer, de bouger. Je ne dis pas que l'acteur public doit bénéficier systématiquement de tous ces développements-là, mais il pourrait peut-être jouer un rôle intéressant pour le marché suisse et ensuite qu'on puisse discuter de ce qu'on ferait de ces résultats-là. De ce point de vue-là, le blocage dans la loi du développement commercial ou de l'activité digitale de la SSR me paraît un peu regrettable. Et puis, dernier point, il y a un domaine qui m'est très personnellement cher, comme vous le savez peut-être, c'est le domaine du mandat pour l'étranger. Je pense que la Suisse a un grand besoin de continuer à rayonner à l'étranger. Elle a quelques outils fantastiques, à commencer par TV5 Monde, mais aussi Suisse Info, mais encore DrySat, qui lui permettent d'exercer une espèce de soft power très efficace pour des coûts vraiment très, très modestes. Et il y a un petit glissement sémantique. Alors, il faut vraiment se plonger dans le texte, mais quand même, je le signale ici. Jusqu'à maintenant, il était dit dans la loi actuelle que le gouvernement, la Confédération et la SSR devaient conclure un accord pour un mandat pour l'étranger. Maintenant, on ne doit plus, on peut.
Alors, le petit glissement du mousse au Cannes me paraît quand même, devoir être un tout petit peu discuté, parce que je peux imaginer qu'il y a quelques intentions qui se cachent là-derrière. Et je plaide ici pour ce mandat pour l'étranger, parce que je pense qu'il est intéressant pour l'ensemble des acteurs de ce pays, pas seulement pour nos programmes intrinsèques. Et puis, dernière chose à dire, il y a des questions qui ne sont pas vraiment abordées, alors qu'on a une occasion absolument fantastique, peut-être de les régler ou en tout cas de les traiter. Je pense par exemple aux fenêtres publicitaires. Les fenêtres publicitaires en Suisse aspirent en ce moment à peu près 300 millions de francs suisses par année, qui repartent directement à l'étranger sans aucune contribution au marché suisse, sans aucune création de richesse ou de valeur. Juste pour être très concret, là vous parlez, quand on regarde TF1 ou quand on regarde M6, il y a de la publicité suisse et vous parlez de ça. Oui, mais je pense aussi quand on regarde toutes les chaînes allemandes hein, qui sont encore plus présentes et massives en Suisse alémanique et qui proposent des fenêtres publicitaires avec des annonceurs suisses, sans s'acquitter des droits de programme pour la Suisse, d'ailleurs au passage, et évidemment en refinançant leurs activités premières dans leur pays d'origine. Tout ça, c'est de l'argent qui, au fond, en bonne partie disparaît pour les acteurs locaux. Alors, on n'a pas les bases légales pour faire quelque chose à ce sujet. Peut-être qu'on devrait s'y intéresser, parce que là, il y a probablement une partie des réponses que l'on souhaite donner dans des soutiens directs ou indirects à d'autres acteurs médias. Alors, on va évidemment entendre tout le monde. Je vous remercie. Vous êtes très nombreux, donc certains doivent attendre un peu avant de prendre la parole, mais ils comprendront pourquoi. J'ai juste la rentre d'abord juste à Marcel Regnotto. Ça va toujours, Marcel Regnotto, parce que là, c'est un début un peu difficile, comme ça. J'aimerais peut-être m'arrêter sur des choses assez précises qui ont été dites, notamment les deux premiers points soulevés par Gilles Marchand, à savoir la difficulté, la lourdeur administrative qui nous est promise pour tout ce qui est, pour ce qui est par ailleurs encouragé, à savoir la collaboration entre la SSR et les médias privés. Et le deuxième point m'est sorti de la tête, mais il va me revenir dans une seconde. Sur ce point-là, la deuxième point, c'est une loi qui fige un monde qui est particulièrement en mouvement, qui interdit des choses aujourd'hui qui seront peut-être tout à fait indispensables demain. Vous entendez ces griefs-là ? Oui, mais en écoutant Madame Daillère, j'avais en tête le titre d'un article, d'une colonne qu'avait écrite Pier Paolo Pasolini il y a très longtemps dans un magazine qui s'appelait Espresso, et le titre c'était « Non leggono ». Ils ne lisent pas. Ils ne comprennent pas, ils ne veulent pas prendre connaissance de certaines choses. Madame Daillère, on parle ici d'une loi sur les médias électroniques. Je souligne ce petit terme électronique. Ce n'est pas simplement une idée ou une lubie du Conseil fédéral, mais c'est simplement dû à un fait tout à fait basique. Mais nous faisons aussi de l'électronique. Nous faisons aussi de l'électronique dans nos rédactions. Nous avons une base constitutionnelle pour légiférer, pour soutenir les médias électroniques. Dans le niveau de la presse écrite, cette base constitutionnelle manque. Ce n'est pas faute d'avoir essayé. Le Conseil fédéral a plus d'une reprise soumis au Parlement un projet pour adapter la Constitution et intégrer aussi une base qui permettrait l'aide directe aussi des médias. Ça n'a jamais abouti. Dans la Constitution, on est à deux doigts d'introduire les vélos et plein de choses complètement absurdes. Donc je ne vois pas pourquoi. Le moment politique, monsieur, c'est de changer cela et de permettre un débat national. Quitte à changer la Constitution, ça me paraît extrêmement urgent. Peut-être que vous ne savez pas très bien comment un Conseil fédéral travaille. Il travaille avec les outils que le Parlement et le peuple lui donnent. Mais ça tombe bien puisque des parlementaires, on en a deux sous la main. Donc on va peut-être... On va peut-être les placer devant leurs responsabilités. Hugues Pold, qu'est-ce qui vous a pris ? Pourquoi vous ne voulez pas aider la presse écrite ? Pourquoi vous ne lui donnez pas cette base constitutionnelle qui permettrait que cette LME s'appelle LME et presse écrite ? Ou un média ? Alors écoutez, sur le principe, nous on est plutôt opposés au fait qu'on aide directement la presse écrite. Ça c'est un principe qu'on a parce qu'on considère finalement qu'elle fonctionne avec les lois du marché et qu'à ce titre-là, il n'y a pas lieu d'interférer et de l'aider directement. Sur la question de l'aide indirecte, ça on est plutôt favorable, mais sur la question de l'aide directe, on est plutôt opposés. Maintenant, ce qui nous dérange profondément dans le fond, c'est d'avoir à disposition de façon online un contenu qui est gratuit. Parce que de fait, ça vient en concurrence avec les médias privés qui font aussi une certaine part de mandat de service public. Et on trouve que c'est une concurrence qui est, dans le fond, pas très loyale. Si vous me permettez, sur la question de la loi qui nous est proposée, enfin du projet de loi qui nous est proposé, il faut se rappeler quand même d'où on vient. On a eu un débat très fort émotionnellement sur la question de Nobilac. Alors mon parti s'y est opposé avec d'autres et on a pu gagner cette votation. Pas tout le monde dans votre parti, Hugues Pold. Pas seulement. Mais on a pu expliquer finalement que c'était nécessaire d'avoir une SSR qui fait un travail de qualité, qui n'est pas remis en cause, en tout cas pas
au sein de notre parti, en tout cas la majorité de notre parti. Et puis, ce qui était important, par contre, c'était de prendre en considération le fait qu'il devait y avoir une réforme. Une réforme parce que l'avenir change, on le voit, le monde des médias change de façon fondamentale. Et puis, il y avait une annonce de la part du Conseil fédéral d'un projet de nouvelle loi sur les médias électroniques. Et notre parti, on a eu la position de dire, finalement, on s'oppose à cette initiative, on va revenir sur un débat plus général sur ce que c'est, dans le fond, qu'un service public, et puis, finalement, quel rôle jouent les médias privés, qui est important pour notre parti, dans cette mission, dans le fond, de service public. Et c'est ça, le contexte général. Aujourd'hui, on est un peu déçus. On est un peu déçus parce qu'on a un peu le sentiment, avec cette loi, ce projet de loi, on a un peu le sentiment qu'on consolide d'une certaine façon la position de la SSR sans forcément donner plus de place aux médias privés. C'est un tout petit peu ce qui nous dérange. Et le fait de pouvoir mettre en place un système online par le biais d'un mandat de prestation est quelque chose qui va venir directement en concurrence et qui ne nous semble pas très sain. Cela dit, il y a quand même deux, trois éléments, peut-être qu'on y reviendra plus tard dans le débat, qui ne sont pas à jeter dans cette loi. Je pense notamment à cette commission qui est trop grosse aujourd'hui, telle qu'elle est proposée, mais qui somme toute, me semble quand même intéressant parce que c'est une entité qui n'est pas le DETEC, qui n'est pas l'OFCOM, et ça nous semble plutôt salutaire. Je pense aussi que le contenu partagé est une bonne chose que d'avoir à disposition d'autres médias. Et voilà, tout n'est pas à jeter, mais je dirais globalement aujourd'hui, le projet qui nous est proposé n'est, à mon sens, pas satisfaisant. Merci. Géraldine Savary, sur cette frustration de la presse écrite, ou en tout cas de son éminente représentante sur cette scène, comment vous pouvez la rassurer ? Moi, je la comprends tout à fait. Je comprends tout à fait cette insatisfaction de voir une loi qui les ignore. Ça c'est la réalité. Et c'est d'autant plus regrettable qu'au fond, moi, dans mon idée de parlementaire qui suit ces questions médias depuis quand même un certain nombre d'années, pour moi, c'était plutôt l'idée de faire une loi moderne, qui corresponde aux réalités d'aujourd'hui, à savoir que maintenant, tout est mixte. Je veux dire, les médias écrits font de la vidéo, ont des sites évidemment online extrêmement développés, et puis le service public fait aussi un petit peu de texte quand même. Donc du coup, ces frontières, elles existent plus. Et ce diagnostic, il est posé depuis déjà un certain nombre d'années. C'est pour ça qu'on a fait cette loi. C'est bien pour ça qu'on a fait cette loi. Puis on arrive en effet dans une situation où cette loi, elle parle alors à des gens très importants et qui font du très très bon travail, c'est-à-dire les télévisions et radios privées, la RTS, la SSR et SRG, pardon. Mais effectivement, cette scène des médias privés de l'écrit qui est aujourd'hui menacée, eh bien, elle est totalement orpheline en fait de cet exercice législatif. Et la seule solution, parce que moi j'en ai aussi ras-le-bol comme parlementaire de devoir à chaque fois faire des commentaires sur un média qui disparaît ou des rédactions qui s'amenuisent ou l'ATS qui manifeste, puis à chaque fois on dit on peut rien faire, le politique on peut rien faire, puis on a vraiment l'air d'être des incapables, de pas avoir d'intervention sur une des choses les plus importantes de la démocratie suisse, c'est la diversité médiatique. Moi, maintenant, depuis un moment, je me suis dit la seule façon d'agir, c'est effectivement de changer la base constitutionnelle. Il n'y a pas d'autre solution que ça. Et d'inscrire dans la Constitution, comme une valeur fondamentale de notre pays, la diversité médiatique. Puis après, le soutien qu'on lui apporte, eh bien, il faudra en discuter au niveau d'abord de la population, puis après, évidemment, du Parlement. J'ajoute aussi que ce qui me paraît extrêmement important de rappeler, c'est que la population est attachée à ces médias. Il n'y a pas de baisse de lectorat, il n'y a pas de baisse globalement de ceux qui consomment, parce que la curiosité, elle est universelle. Et on passerait vraiment à côté d'un des enjeux, un des plus importants, que de renoncer à stimuler cette curiosité. Et la seule façon d'y répondre, c'est bien ça, c'est d'avoir un débat populaire là-dessus et de trouver des solutions. Alors, je ne sais pas lesquelles. J'ajoute, si je termine ma première intervention là-dessus, c'est que les médias privés ou écrits, disons, nous disaient maintenant, il faut vraiment que vous... voilà, l'aide indirecte à la presse, c'est fini, c'est un modèle terminé. Par la poste, le soutien à la distribution de journaux par la poste, c'est vraiment complètement ringard. On a diminué les montants, etc. Pour miser sur le développement du online. Puis maintenant, je lis M. Soupineau qui dit il faut nous aider à distribuer nos journaux. Alors voilà, c'est un peu comme si on était en train de faire des balanciers, alors que devant nous, évidemment, le temps avance et aussi la modernité, les nouveaux défis.
On entend effectivement beaucoup de choses, beaucoup de critiques qui parfois peuvent sembler contradictoires les unes avec les autres. C'est ça qui est intéressant dans ce débat. J'aimerais poursuivre ce premier tour de triple table basse avec vous, Vanessa O'Connor. Vous me disiez au téléphone, vous avez l'expérience de ce qui se fait dans toute l'Europe. Vous voyez un petit peu, vous êtes une observatrice privilégiée de ce marché, de cette question de la coexistence entre les services publics et les médias privés. Vous me disiez, étonnamment, il y a quelque chose qui est absent de cette loi, des acteurs qui sont absents de cette loi, c'est les plateformes. Les plateformes de distribution. C'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait personne entre Darius Rochebain et celui qui le regardait à la télévision. Aujourd'hui, vous avez Bluein, vous avez Netflix, vous avez je ne sais pas qui. Et ces acteurs-là, ils n'existent pas. Pour vous, c'est un problème? En fait, c'est... D'abord, j'ai lu ce matin un article du maire qui disait que une loi, c'est une occasion à saisir. Donc, les lois sur les médias, c'est une occasion sur une décennie. Donc, il faut être à la fois... il faut regarder un périmètre, qui est un périmètre qui est large, et il faut être profond. Donc, pour l'Union européenne de radio-télévision, donc c'est une union, donc le siège est ici à Genève, qui représente environ 120 médias, à la fois radio et télé, de services publics, et donc on voit les tendances. Et il y a deux ou trois tendances qui sont très fortes et qui ont pour objectif de rendre une nouvelle loi pertinente, pas simplement pour clarifier une situation actuelle, mais qui vraiment prend une vision et prend de la hauteur. Donc, on est dans des marchés qui sont numérisés et globalisés. Et donc, évidemment, l'intérêt d'un pays, c'est à la fois d'être attentif aux demandes de ses citoyens et de bien comprendre tous les acteurs qui jouent. Et donc, sur les trois tendances que nous, on voit, le premier concerne les plateformes de partage de vidéos, donc les YouTube-like, et où on constate qu'il y a de plus en plus de reconnaissance qu'il faut être attentif. Il faut pas demander aux plateformes de devenir des rédacteurs, mais il faut qu'il y ait des contraintes d'organisation du contenu et de la clarté sur les règles. Et dans tout cela, je parle évidemment de protection des enfants, des discours de haine raciale, la publicité. Ça, c'est un socle minimal. C'est le socle minimal, mais ça devient un discours de référence. Le deuxième, ça concerne les plateformes VOD, les Netflix type, où on voit, par exemple, on prend la directive européenne, des quotas de minima de 30% de contenu européen, mais c'est non seulement une attente de pourcentage de contenu, mais de visibilité de contenu. Donc, vous ne mettez pas votre contenu en bas du catalogue et on ne le voit pas, mais il est visible, il est proposé, il est visible. Et le troisième qu'on commence à voir, par exemple, Ofcom au Royaume-Uni au mois d'août a parlé de revoir la visibilité du contenu du service public dans les moteurs de recherche. Donc, de vraiment mieux comprendre, et ça ouvre le débat sur les fameuses boîtes noires des algorithmes des moteurs de recherche et de contraindre plus de transparence et un terrain qui est plus juste pour tous les acteurs, parce que les acteurs des médias électroniques sont à la fois domestiques, mais il faut bien reconnaître que ça vient de l'étranger. Donc, pour nous, ça, c'est deux ou trois tendances qui façonnent les lois et la revisite des lois en Europe. Gilles Marchand, on entend que dans des directives européennes, on peut mettre au pas Netflix, que l'on dit par ailleurs tout puissant et qui est en train de cannibaliser tout le monde. Et on leur dit, ben voilà, vous devez respecter telle ou telle règle, vous devez fournir tel ou tel contenu, tel pourcentage de contenu maison, etc. Est-ce que c'est une logique qui est transposable à l'échelle de la nation et du coup, est-ce que ça manque dans la fameuse loi? Bon, je crois que ce que peut faire Bruxelles est aussi consécutif à la taille. Bruxelles, c'est quand même
disons, une organisation, enfin, quand je dis Bruxelles, je parle de la Commission, évidemment, qui peut rassembler autour d'elle un nombre très impressionnant d'acteurs, à la fois d'acteurs médias, mais aussi de pays, d'États qui s'engagent. Donc c'est évidemment une capacité, une force de frappe un peu différente de celle de la Confédération. Et quand même, pour rompre une petite lance à propos de l'OFCOM, il faut aussi bien voir que c'est extrêmement difficile, quand même. La tâche est extrêmement difficile. Pourquoi ? Parce que le marché suisse est dans une situation vraiment très tendue, très difficile. Il y a un exode des richesses de ce marché suisse qui était historiquement basé sur la publicité. Cette publicité émigre. Et donc, la taille critique de la Suisse est ainsi faite qu'on a beaucoup de peine à réussir à maintenir cette diversité sans des mécanismes qu'on arriverait, au fond, à trouver les uns et les autres pour faciliter un peu cette coexistence. Alors évidemment, d'une certaine manière, quand on essaie de légiférer dans un tel contexte, on a le risque d'avoir une grande masse de gens mécontents. Mais en même temps, il faut voir que c'est quand même important d'avoir une base qui nous permet d'imaginer un peu la suite. Il faut juste que cette base ne soit pas trop, disons, figée. Mais si cette base nous permet, malgré tout, et de ce point de vue-là, le passage pour nous de l'idée de télévision radio à l'idée média est juste, hein, sur le fond. J'aimerais quand même ici le dire. Je trouve que ça va dans la bonne direction. Après, on peut se demander ce qu'on veut mettre dans média. Est-ce qu'on veut rajouter d'autres familles dans cette loi média? Si la base constitutionnelle est adaptée en ce sens, tout ça, évidemment, est possible. Mais c'est compliqué d'imaginer, depuis notre petit territoire national, qui n'arrive même pas à résister contre les fenêtres publicitaires, que nous allons tout d'un coup mettre au pas Netflix, quoi. Enfin, franchement, disons, là, il faut un peu raison garder. Je serais évidemment tout à fait intéressé d'en discuter avec celles et ceux qui souhaiteraient se lancer dans cette aventure. Moi, j'ai combattu pendant 15 ans ici, en Suisse romande, les fenêtres publicitaires, malheureusement sans succès, puisqu'à la fin, le tribunal fédéral nous a donné tort, considérant que nous n'étions pas habilités, au fond, à défendre nos intérêts. Bon. Alors, ce que j'espère maintenant, c'est qu'on puisse, à l'occasion de cette discussion législative, compliqué, qui va prendre du temps, comme toujours, mais quand même importante. Un, qu'on relance ce débat, comme le disait Ariane, de manière peut-être un peu plus large. OK, très bien. Il y aura des discussions parlementaires, il y aura des commissions qui vont se saisir de tout ça. Donc je pense qu'il y a des opportunités. Et puis deux, qu'on essaye de faire en sorte que là où on peut un peu intervenir, de telle sorte que nous puissions maintenir dans ce petit territoire national, dont les sensibilités, j'aimerais aussi dire ça très brièvement, les sensibilités entre la Suisse romande et la Suisse alémanique sont très différentes par rapport à la question de l'aide directe ou indirecte. Il faut aussi l'entendre, ça. Hein. C'est que c'est encore une tâche qui rend l'exercice plus difficile pour l'OFCOM. On peut peut-être préciser, parce que tout le monde ne sait pas exactement de quoi vous parlez, comment s'organise cette différence, pardon. Non, mais faites-le vous. Pourquoi, qu'est-ce qui est différent? Qu'est-ce qui est dans le rapport média privé, média public? En Suisse romande, en raison, je pense, de la relation historique entre les acteurs médias et aussi en raison de la structure du marché, il y a finalement, derrière nos différences historiques, il y a finalement l'idée qu'au fond, on a intérêt de trouver des solutions ensemble. Hein ? C'est quelque chose qui, à la fin, en raison des acteurs en place, sans doute, en raison de notre histoire commune, finalement s'impose et on tente de trouver des solutions. Ce qui vient de se passer, encore une fois, aujourd'hui, avec la naissance du Forum des médias romands, est vraiment un exemple parfait de ça. Et de ce point de vue-là, il y a dans la relation entre les acteurs francophones et l'État, cette institution qui organise la vie en société, il y a une relation de proximité un peu plus grande. Au fond, on considère comme légitime fondamentalement en Suisse romande, je crois, que, avec des nuances bien sûr politiques, mais enfin qu'il y a quelque part une instance qui permette aux acteurs de coexister de manière un peu régulée. Voilà. En Suisse alémanique, c'est un peu une perspective différente. En Suisse alémanique, d'abord, la relation historique entre les médias est beaucoup plus dure, elle est beaucoup plus tendue, beaucoup plus de concurrence. Ensuite de ça, cette tradition de collaboration est beaucoup moins présente. Et puis, dans pas mal d'acteurs médias alémaniques, il y a quand même cette idée que, au fond, le meilleur des mondes possibles est un monde où l'État ne régule rien. Et de ce fait, à l'intérieur même de structures nationales, hein, on observe ces différences, donc de ce fait, je pense que réussir à embarquer tout le monde dans un dispositif législatif qui arrive à faire une synthèse, c'est un exercice très ambitieux dans ce contexte-là. C'est pour ça, encore une fois, que je pense qu'une loi aujourd'hui devrait être relativement, modeste dans sa dimension pour ne pas préempter les changements importants à venir. On terminera là, tout à l'heure pour vous entendre sur le modèle idéal, celui que vous écririez vous, si c'est vous qui étiez les législateurs seuls, uniques et omnipotents. Annick Dubien, vous demandant encore 2 minutes de patience, je donne la parole à Pierre Maudet. Gilles Marchand parlait de créer des mécanismes pour faire exister cet écosystème dans un marché qui est compliqué par sa taille critique. Vous aviez lancé une idée il y a quelques semaines, je crois. Double question, rappelez-nous ce que c'était cette idée. Et puis surtout, puisque vous êtes consulté officiellement par le Conseil fédéral aujourd'hui sur cette loi, eh bien, quel est votre verdict ? Alors je vais commencer par la deuxième question, je reviendrai à la première ensuite. Le canton de Genève, comme tous les cantons, est évidemment consulté. C'est une phase qui est en cours, donc on n'a pas arrêté notre position.
Mais le Conseil d'État Genevois y porte un intérêt majeur parce que le débat à la faveur de cette loi porte plus généralement sur l'avenir des médias, l'avenir de la presse, et nous oblige, alors c'est inscrit de par ailleurs dans la Constitution genevoise, on doit s'appliquer à favoriser la diversité de la presse, également la liberté de la presse, deux valeurs qui nous sont chères, et je crois pouvoir ici, dans les circonstances actuelles, ne pas être suspecté de ne pas y être attaché, même avec une petite dimension masochiste. Donc la liberté de la presse, l'indépendance et la diversité sont des valeurs qui sont fondamentales, et ça, ça doit quand même figurer au frontispice de la loi. Selon les informations qui m'ont été données, sur ces 40 dernières années, il y a eu 4 tentatives de revoir des lois sur le soutien à la presse, qui les 4 ont échoué, parce que chaque fois, et Gilles Marchand a raison de ce point de vue-là, on a buté aussi sur des obstacles culturels de part et d'autre de la Sarine. Alors que peut dire un canton dans ce cadre-là ? Je m'inscrirai dans le droit fil de ce qu'a dit Gilles Marchand. Je pense qu'en Suisse romande, on a encore eu des discussions récentes avec les collègues des autres cantons, on est attaché à considérer un cadre propice et favorable au maintien d'une presse libre, diverse, mais qui permette quand même de tenir compte des évolutions électroniques et des évolutions technologiques. Je serais moins sévère que d'autres préopinants sur l'intérêt de cette loi, qui ouvre un certain nombre de pistes. L'idée du contrat de prestation, contrairement à mon voisin, elle a plutôt les faveurs du canton de Genève, et on trouve intéressant que des médias de presse écrite, à la faveur du développement de leur plateforme électronique, puissent bénéficier d'une partie de la redevance. Mais c'est là que, alors à l'inverse de ce que disait Gilles Marchand, je trouve que cette loi manque singulièrement d'ambition. Et le Conseil d'État genevois le regrette, parce qu'on ne va pas assez loin dans la prospective, dans ce que pourrait devenir le paysage médiatique futur. Aujourd'hui, les lois, je ne sais pas si les parlementaires partageront cet avis, ont parfois plus d'importance dans le processus qu'elles recèlent, le débat qu'elles ouvrent, que le résultat final. Les lois ont rarement un effet magique qui permet de résoudre tous les problèmes. Et là, si la loi, elle n'a pas un peu plus d'ambition, parce que finalement, c'est un projet de loi qui parle de la redistribution de la redevance. Ce n'est pas un vrai projet de loi sur les médias électroniques. Ça manque de souffle, ça manque d'ambition, ça manque de perspective de ce point de vue-là. Ça ne résout pas toute une série de problèmes objectifs dans la profession aujourd'hui liés au droit de création. Et c'est en ça, et je réponds maintenant à votre première question, que nous avons réfléchi cet été, mes collègues et moi-même, parce que comme Géraldine Savary, on en a un peu marre tous les 3 mois de se retrouver à verser des larmes de crocodile sur tel titre qui disparaît, tel titre qui fusionne, tel newsroom qui ne fonctionne pas, et de constater qu'il y a des emplois qui sont supprimés à terme et qu'on perd de la substance. Donc on a essayé de réfléchir à un volet, pour le coup, assez roman, où l'État s'implique, mais pas trop, parce qu'on est vraiment attaché à ce qui n'est pas une aide directe. Celle-là, elle nous pose problème par rapport à la valeur de l'indépendance de l'activité journalistique. Ce serait une sorte de Spotify des médias, en l'occurrence romans, donc de plateformes qui posent la question à quelle échelle est-ce qu'on agit. Et pour nous, très clairement, l'échelle, c'est l'échelle romande. Il y a un espace culturel roman. Il faut inscrire aussi une loi, ou disons, les effets d'une loi dans un périmètre. Et l'idée, c'est de travailler avec les fournisseurs d'accès, qui sont aujourd'hui des partenaires naturels, évidents, qui pourraient majorer les abonnements d'accès sur une base volontaire de celles et ceux qui veulent accéder à des contenus. Et cette majoration constituerait un fonds, lequel fonds, non pas sur une base linéaire, mais sur une base, un algorithme, je ne vais pas entrer trop dans le détail, mais qui permet de pondérer, qu'on n'ait pas la totalité ou la quasi-totalité des fonds qui aillent à 20 minutes et quasiment rien à des médias qui, pour le coup, fourniraient plus en contenu, mais auraient moins de lecteurs, mais d'assurer comme ça un socle qui permet en fait de contrebalancer, je finis par ça, un des effets les plus pervers du changement radical de modèle économique aujourd'hui, qui est la disparition, en tout cas très substantielle, des recettes publicitaires. Mais ça suppose que des acteurs, j'en parlais en aparté avec Ariane Dayer, des acteurs de presse écrite et évidemment des sites internet développent des contenus audiovisuels. Ce n'est pas le cas du matin dimanche, mais ça changera peut-être prochainement. Parce que ça, c'est un aspect positif de la loi. S'il y a un réceptacle audiovisuel possible, je pense que la redevance pourrait être avantageusement redistribuée. Vous êtes coordonné avec Fatih Derder parce qu'il faisait la même proposition 3 semaines avant vous. Alors, c'est 2 propositions différentes, c'est les mêmes, formulées différemment, juste qu'on comprenne. Alors, c'est 2 propositions qui ne sont pas coordonnées. Fatih Derder est parlementaire au niveau fédéral. Nous, on a eu des réflexions au niveau cantonal. Elles pourraient se rejoindre, mais pas totalement, notamment parce que dans la proposition derderienne, il y a moins d'implication de l'État. Là, dans la vision genevoise qu'on a développée dans un article paru dans le Temps le mois passé, il y a une forme de garantie qui est apportée par l'État qui, à un moment, sert d'interface, sans jamais intervenir sur les contenus. Mais je crois que ça peut se rejoindre. Ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'il y a des nouveaux modèles qui émergent.
Il y a les modèles voisins, prenons Mediapart, mais qui sont difficilement transposables pour des questions de masse critique. Comment, dans une vision intelligente et dynamique et positive, sans sombrer toujours dans le catastrophisme, on arriverait ensemble à proposer quelque chose ? Gilles Marchand, vous avez levé le doigt, donc vous avez le droit à la parole. Très brièvement, parce que je ne veux pas la monopoliser non plus, mais j'aimerais rebondir sur un concept intéressant, cette histoire d'indépendance. Hein. Au fond, une bonne partie des acteurs alémaniques reviennent toujours en disant « Ah oui, mais si on obtient de l'aide, alors on perd notre indépendance. » J'aimerais simplement ici glisser dans ce débat une petite nuance. Moi, je fais une différence entre l'indépendance journalistique et l'indépendance entrepreneuriale. Quand on reçoit de l'aide, directe ou indirecte, mais surtout quand elle est directe, on a un mandat. Ce mandat, c'est des prestations qu'on doit surveiller, qu'on doit contrôler, on doit rendre des comptes. Et c'est normal, on a de l'argent public, on rend des comptes. Donc on a une concession ou équivalent. À partir du moment où on est inscrit dans un régime de concession, la liberté entrepreneuriale n'est pas aussi garantie que lorsque l'on n'a évidemment aucune concession. Seul le marché, à ce moment-là, s'exprime. Et de ce point de vue-là, il est vrai que les acteurs qui reçoivent des aides directes sont prêts, d'une manière ou d'une autre, à limiter leur liberté entrepreneuriale. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de liberté journalistique parce qu'on reçoit des aides directes. Je m'érige en faux contre cette idée parce que moi, je prétends que les journalistes qui travaillent à la SSR ont une liberté d'action journalistique tout à fait sérieuse, tout à fait reconnue, avérée. Et moi, je n'ai pas la liberté entrepreneuriale. Je ne peux pas décider de lancer des chaînes, de fermer des chaînes comme je le souhaite. Elles sont concessionnées. Mais les journalistes qui travaillent dans notre maison ont une liberté journalistique. Et alors, si on mélange la liberté entrepreneuriale et journalistique, alors on coince le débat. C'est pour ça que je pense que dans la suite des discussions à venir, sur le plan parlementaire, sur le plan politique, on devrait quand même faire cette nuance un peu plus précisément et ne pas mettre tout dans le même sac. Il y a des vraies différences qui sont importantes pour la clarté du débat. Et moi, je propose celle-ci. Je suis obligé de faire réagir Arène Dyer, désolé. Est-ce que, Annick Dupuy, je vous promets que vous aurez la parole. Est-ce que finalement, là, vous ne voulez pas le beurre et l'argent du beurre ? C'est-à-dire, vous voulez qu'on vous aide, mais vous ne voulez pas renoncer à la liberté entrepreneuriale ? Parce que c'est vrai qu'avoir une concession ou un contrat de prestation ou un mandat de prestation, ça suppose de pouvoir faire exactement ce qu'on veut, ce qui n'est pas dans l'ADN d'un média privé indépendant. Là, vous me parlez un peu comme si j'étais Pietro Supino. Oui, je vous parle un peu comme si vous étiez pris Pietro Supino, désolé. Salaire, mais hélas, c'est, moi, je suis plutôt une journaliste de base, etc. Mais ce qui est certain, c'est que toutes ces pistes de collaboration, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de faire péter les barrières mentales, comme le dit Gilles Marchand. Et je trouve très, très important que ce soit en train de se produire et qu'il y ait des initiatives qui viennent de partout. J'ai pas trop peur pour ma liberté journalistique. Je me bats tous les jours, tous les samedis notamment, contre pas mal de politiciens, contre pas mal d'avocats, contre pas mal de gens qui veulent faire pression sur mon contenu. Et je sais faire. Je parlais surtout de liberté entrepreneuriale. Mais c'est vrai que c'est plutôt pour Pietro Supino. Je n'ai pas très peur en tant que journaliste. Mais je suis quand même vigilante. Je sais aussi les pressions qu'on peut subir quand on est affilié à de grandes marques, etc. Donc je sais me battre là contre. Mais si mon éditeur cède, moi, je ne peux pas résister toute seule non plus. Donc il y a quand même des contreparties. Mais ce qui est génial dans ce qui est en train de se produire, c'est qu'il y a des micro-idées, des idées qui viennent des politiciens, de journalistes libres, de plein de choses. Donc ça, c'est un foisonnement. Je vois aussi des fondations, de ces grandes fondations dont on rêve tous d'avoir un tout petit peu l'aumône et qui approchent mes chefs, qui essayent de parler avec eux. Hélas, ils parlent pour le moment des langues totalement différentes et c'est navrant de voir qu'ils n'arrivent pas à s'entendre. Mais je vois qu'il y a quelque chose qui naît dans la société civile d'aide au journalisme et ça, c'est formidable. Une crainte que j'ai, par contre, pour quelqu'un comme moi qui travaille pour des marques populaires, c'est que beaucoup de ces idées veulent ce qu'ils appellent du journalisme de qualité. Vous pouvez lire tous les projets, c'est marqué partout journalisme de qualité. Je crains que les marques pour lesquelles je travaille, Le Matin, Dimanche, La Tribune de Genève et 24 heures, ne correspondent pas exactement à leur idéal de qualité parce que c'est un peu populaire et que c'est pas le journal de référence. Donc je crains un tout petit peu toutes ces pressions-là. La Tribune de Genève ne fait pas partie d'une alliance internationale des médias experts de qualité. C'est dire si elle est de qualité. Tout à fait. Et puis, il y a une autre chose qui est aussi fondamentale qui est en train de se passer et qui est aussi encourageante, je trouve, c'est ce qui se passe au niveau de l'Union européenne et le débat actuel sur les droits voisins qui permettra peut-être enfin de rendre nos contenus payants lorsqu'ils sont repompés par Facebook et Google. Et ça, c'est fondamental. Géraldine Savary, rapidement, vous voulez réagir ou vous voulez plus réagir ? Oui, en effet, je pense qu'on est vraiment au cœur de la question qui concerne les politiques et aussi les collectivités
cantonales et communales comme Genève en particulier, puisqu'on est ici à Genève, savoir comment concilier au fond la valorisation de ce travail de service public que font les médias privés avec une économie de marché qui se revendique comme telle. Les patrons de presse ne veulent absolument pas l'aide de l'État, au contraire. Il l'exclut de facto dès aujourd'hui. Donc c'est un peu l'équation dans laquelle on se trouve maintenant, parce que nous, on aimerait tous, presque tous, disons, politiciennes et politiciens, dire ben, notre paysage médiatique, on veut qu'il soit vivant, etc. Puis en même temps, les acteurs de ces médias disent, mais attendez, nous, on est des propriétaires, on est dans une économie de marché, on fait ce qu'on veut, si on veut faire des dividendes ou des bénéfices, on en fait, etc. Donc cette question, elle est très compliquée. Moi, une des pistes, je crois, c'est d'avoir, comment dire, faire des actions ciblées, à savoir avoir des modèles nouveaux de partenariat. On peut prendre la ville de Genève ou le canton de Genève ou le canton de Vaud qui pourrait dire, ben, tiens, voilà, par exemple, le sport dans les petits clubs, bon, ben, c'est, voilà, c'est pas toujours facile pour les médias de s'en occuper. Donc ça, on pourrait, par exemple, moyennant un contrat de prestation, financer ce type de mesures. Pareil pour la culture, par exemple, où là, la valorisation des critiques, du suivi des scènes culturelles qui est absolument incroyable dans nos régions de Suisse romande et en particulier évidemment sur l'arc lémanique, eh bien il y aurait un écho un peu plus important alors qu'aujourd'hui les médias n'ont pas toujours les moyens financiers de le faire. Donc ces modèles-là qui ne heurtent pas les éditeurs qui alors considèrent quand même l'aide de l'État comme le diable, il faut le reconnaître, et puis quand même ces missions de service public qui doivent être consolidées et soutenues parce qu'elles existent, et je pense que les journalistes dans les médias privés, les médias écrits, ils souffrent aussi qu'on les considère, comment dire, comme un peu des écrivains enfin ratés ou je sais pas qui travaillent jusqu'à plus d'heures et puis que ces missions de service public elles sont insuffisamment reconnues. Donc après il y a une espèce d'amertume ou de difficulté de dialogue entre les médias écrits et la RTS dont on a l'impression que toutes les conditions sont absolument exceptionnelles. Juste un petit rajout, l'aide directe au sens propre, elle est extrêmement dangereuse. L'affaire Broulis, l'affaire Maudet, je suis désolée, ne sortirait pas si nous étions soumis à une aide directe. Donc il faut des systèmes avec des fondations qui sont étranges. Et je voulais juste rappeler qu'à Genève, par exemple, lorsque le courrier a sorti des informations sur Luc Bartassa, ancien conseiller d'État, le premier réflexe de Luc Bartassa fâché a été de menacer l'aide au loyer du courrier qui est déjà bien à la peine. Donc l'aide directe, c'est bien dangereux. Hein. Merci de cette précision. On va terminer le tour de table. Après, il nous restera un quart d'heure, 20 minutes. On se penchera vers vraiment les solutions et l'après, les idées, parce qu'effectivement, il y a plein d'idées qui émergent. Il y en a d'autres dans la salle. Je vois Chantal Thaux, elle est quasiment porteuse d'une idée de fond. Mais peut-être c'est plus le cas. Je la vois râler, donc non, elle n'a peut-être pas envie d'en parler. Annick Dubier, la formation. Je crois qu'on n'a pas encore prononcé ce mot de formation. Non pas la formation de l'opinion, mais la formation tout court. Vous, c'est votre mission maintenant. Est-ce que vous la retrouvez quelque part là-dedans? Est-ce que vous avez votre compte, vous qui formez les journalistes de demain? Puis qu'est-ce qu'ils vous disent d'ailleurs? Deux questions aussi pour vous. Qu'est-ce qu'ils vous disent à Neuchâtel, les étudiants, et qu'est-ce qui leur fait peur? Alors, j'avais envie de réagir sur ce qu'Ariane d'ailleurs disait tout à l'heure, c'est-à-dire que si quelqu'un doit faire exploser les frontières en imaginant de nouveaux modèles, qu'ils soient aider au niveau entrepreneurial ou inventer ex nihilo, j'espère que ce sera nos étudiants, non pas parce qu'on leur aura dit ou qu'on leur aura montré comment le faire, mais parce qu'on aura transmis dans les formations qui sont les nôtres des valeurs et des méthodes qui sont ce socle commun dont on parle depuis ce matin. Parce qu'au fond, monsieur le maire le disait tout à l'heure, tout le monde parle de journalisme et au fond, allons au-delà. On ne parle pas des journalistes en tant que personne, on parle de ce qu'ils incarnent. Et cette loi et toutes les discussions qui portent sur cette loi cherchent à viser ces méthodes et ces valeurs qui sont non seulement incarnées par la profession, par les gens que je forme, mais qui commencent aussi à faire l'objet d'une appropriation dans le public. Non pas qu'elle lui était étrangère précédemment, mais qu'on a de plus en plus de la part des publics une volonté non seulement de consommer de l'information, mais de comprendre comment elle fonctionne et éventuellement de participer à sa conception. De ce point de vue-là, la formation, entendue au sens très large,
doit concerner non seulement les futurs professionnels, ceux qui voueront leur vie à produire de l'information, qui se reconnaissent une forme de vocation, mais aussi ceux qui s'y intéressent, qui souhaitent y consacrer une heure, une journée, une année de leur vie, qui souhaitent contribuer à ce système sans pour autant être identifiés comme des journalistes professionnels. De ce point de vue-là, à la fois la demande sociale est très claire et très encourageante. Cherchons des raisons de se réjouir ici. Les dernières discussions sur nos bilagues, et je l'espère, cette discussion sur la loi, sont l'occasion de rappeler l'intérêt de la population et l'attachement de la population pour une information de service public. Et si je peux répondre en partie à votre seconde question pour rebondir une fois de plus sur ce que disait Ariane Dayer, ce sera de l'information de service public au sens large. Pas seulement de l'information politique, institutionnelle, ce sera de l'information qu'on peut juger populaire. Moi, je suis tristement célèbre dans les formations à l'AJM pour obliger mes étudiants à se former aux faits divers. Parce que j'estime que ça fait partie des missions du journalisme, peut-être même des missions du service public, de se pencher sur l'information populaire, celle qui a le plus souffert ces derniers temps dans les nombreuses disparitions dont on a parlé, celle qui nous permet de toucher à des publics que l'on laisse sur le bord de la route si on ne s'y intéresse pas, celle qui fait plisser le nez des élites dont je fais partie, mais celle qui, à mon avis, doit être dans la ligne de mire de tous ceux qui y travaillent. Et si je finis rapidement... Vous avez tout le temps que vous voulez, je vous ai fait tellement attendre. Ça va très bien, je me porte très bien. Nos étudiants, lorsque chez nous, on leur donne l'occasion, pas encore plongés dans le marché de l'information, de choisir au moment de leur mémoire quel type de journalisme ils veulent exercer, quel format ils veulent aller chercher. Ils font des longs formats, ils font du narratif, parce que le narratif est un des moyens de toucher des publics au-delà de ceux qui sont des publics fidèles qu'on sait pouvoir aller chercher, qu'au fond, on continuera à toucher, quelle que soit la forme que prendra la loi. Ils choisissent des formats qui, néanmoins, vont chercher dans cette tranche populaire qui, peut-être, est une de celles qui est la moins réfléchie dans cette loi et qui peut-être mériterait qu'on s'y intéresse un tout petit peu plus. Même si la loi est très prudente dans les termes qu'elle utilise, qu'elle parle d'information démocratique, je suis persuadée que l'information démocratique va au-delà de l'information politique, qu'elle peut toucher à simplement ceux dont les gens ont besoin pour faire des choix éclairés dans toutes les dimensions de leur vie quotidienne. On s'est interrogé tout à l'heure sur la pertinence du terme même, médias électroniques, chez ces jeunes générations, chez les nouveaux entrants. C'est un mot qui veut dire quelque chose. Où là, ils sont en train de dire, mais de quoi est-ce qu'on nous parle? C'est quoi un média électronique? Parce que la presse écrite, elle peut être écrite et électronique. Enfin, chez eux, ça a un sens, ça? Ça change. Il y a 5 ans, quand on demandait aux gens qui arrivaient à la JM lesquels avaient l'intention de travailler dans un média électronique, il n'y avait pas une main qui se levait, tout le monde avait en tête d'aller travailler dans les médias existants, si possible les médias de référence. À l'heure actuelle, au fond, c'est ce qu'on sait de ces générations-là, c'est-à-dire que ça fait partie de leur vie et que la technologie n'est jamais qu'un outil parmi d'autres et un fond sur lequel ils vont inventer des formats, encore une fois sur la base des valeurs et des méthodes qui, elles, sont communes à toute démarche journalistique, mais qui va leur permettre éventuellement de penser un tout petit peu en dehors des lignes, de faire péter ces barrières. Alors, tournons-nous maintenant vers ce que la LME n'est peut-être pas, ou ce qu'elle pourrait être, puisqu'on a bien compris, Marcel Regnotto, qu'il va falloir revoir un peu la copie, d'une manière ou d'une autre, pas tout seul, je vous rassure, ça sera le boulot de pas mal de gens, mais j'aimerais vous entendre tous et toutes sur ce que vous... L'exercice est un peu caricatural, mais quelle loi écririez-vous, vous? C'est-à-dire, qu'est-ce qui doit figurer aujourd'hui, demain, dans le cadre légal en Suisse pour qu'on ait assuré la pérennité, la sérénité, la diversité de la presse et de l'information en Suisse? Longue question, je reprends ma respiration, qui veut y répondre? Allez, Hugues Guildpold, il n'a pas parlé depuis longtemps. Alors, je pense qu'il faut mettre en place un système qui nous permet de voir l'avenir avec sérénité et d'imaginer toutes les possibilités. C'est un monde qui bouge énormément et je pense qu'on doit prévoir une loi qui prévoit ça. Deuxième élément qui me semble prépondérant, c'est qu'il doit y avoir un acteur public, en l'occurrence la SSR, qui soit fort, mais pas trop ni trop peu. Ça me paraît important dans le cas de figure. Mais ça veut dire une redéfinition du service public. Et ça, on n'y coupera pas. J'ai le sentiment aujourd'hui que la loi qui nous est proposée, on n'est pas tout à fait dans cette dynamique-là. Et je pense qu'on a une collaboration à faire avec les différents acteurs privés qui est importante.
Et je prends un élément qui me semble aussi important de rappeler, c'est que cette collaboration doit se faire de façon à ce que chacun puisse exister. Il n'y a pas de discrimination qui doit être mise en place. On a eu le cas de figure particulier par le passé. Ça ne doit plus exister. Ça me semble important parce que, dans le fond, ce qu'on veut à la fin, c'est que c'est une loi qui prépare l'avenir, mais qui permet d'avoir une presse diversifiée. Je crois que le pire qu'on puisse avoir aujourd'hui, c'est, dans le fond, mettre en place un système où un des acteurs, en l'occurrence, on pourrait craindre que ce soit la SSR parce qu'elle a une position forte, qu'on ne remet pas en cause aujourd'hui, mais qui a une position forte, l'arrivée de nouveaux médias, que ce soit en ligne, pourrait faire un système de concurrence qu'on pourrait considérer comme déloyale, qui ferait que les autres acteurs privés seraient un tout petit peu punis. Et donc c'est ça qu'il faut, à mon sens, se méfier, puis mettre en place un système où finalement la coopération avec les médias privés est plus importante qu'elle ne l'est aujourd'hui. Pierre Mondet, indépendamment de votre idée ou de celle de Fatih Derder ou des deux, il y a une idée dont on a beaucoup parlé. Je parlais de l'avoir gêné de Chantal Tox, mais je parlais de Fijou. On a tous entendu ce petit acronyme adorable d'ailleurs, Fijou. Je ne sais pas si on prend un X ou un S. Je vous donne la parole. Dites-nous ce que c'est que Fijou, Chantal Tox, et puis on va peut-être en parler après, se demander si ça fait partie des solutions possibles. Merci Alexis. Alors Fijou, on en a déjà parlé un petit peu aujourd'hui pour ceux qui ont fait toute la journée. Alors je vais répéter brièvement. Donc c'est issu d'un groupe de réflexion qui a une pensée systémique d'aide à la presse au niveau de la Suisse romande en mutualisant les moyens que mettraient à disposition les villes, les cantons, la loterie romande et peut-être même aussi quelques mécènes privés, un dispositif inspiré de ce qui existe dans la culture, notamment pour le cinéma. Ce qui me semble intéressant, là, bon, on parle de la LME, mais on voit, et Gilles Marchand a insisté là-dessus, il y a en Suisse romande quand même un climat, une sensibilité, une habitude de collaboration qui est différente. Et en attendant que Berne nous concocte la bonne loi, on sait que on est en procédure de consultation, après il y aura des rapports, il y aura une nouvelle mouture, les débats parlementaires, tout ça va prendre du temps. Ce qu'il y a de bien, c'est que les collectivités publiques romandes, les villes, et comme on a pris l'initiative le maire de Genève, peuvent agir et peuvent faire quelque chose. Et puis si ensuite on a une magnifique LME révisée, si on a une base constitutionnelle pour l'aide à la presse écrite, ça sera formidable. Mais en 6 mois, si la volonté politique existe, il y a déjà beaucoup de choses qui peuvent se faire. Ici à Genève, où je crois qu'il y a un petit peu urgence, à l'échelle de l'arc lémanique, et pourquoi pas à l'échelle de la Suisse romande, on a évoqué plein de pistes. On peut faire Spotify, on peut faire Fijou. Donc Fijou pour fonds de financement du journalisme. On peut faire des aides à l'abonnement pour que les jeunes aient accès à l'offre médiatique. On peut faire des aides à la formation. On a énuméré plein de choses aujourd'hui. J'aimerais juste encore rappeler que Laura Dron du Courrier nous a dit que si par exemple elle recevait 100 000 francs par rapport à son budget pour faire tourner le Courrier, bah déjà ça la soulagerait beaucoup. Et ce que Fijou permet aussi, c'est de faire écran entre bailleurs de fonds et les rédactions qui recevraient de l'argent. Donc l'indépendance, là aussi, serait complètement garantie. Alors moi, maintenant, j'ai sur Fijou, on a fait tout ce qu'on a pu. Je vois qu'en une année et demie, l'idée d'avoir une solution romande, c'est quand même un tout petit peu imposé. Et aussi le fait que, finalement, l'aide directe n'est plus aussi tabou que quand on a commencé nos travaux. Et je me réjouis qu'à l'initiative du maire de Genève et du syndic de Lausanne, on ait prochainement des états généraux. Fijou, c'est une solution, c'est une base. Il y a plein d'autres choses à faire, mais surtout, n'attendons pas forcément le salut de Berne. Essayons aussi de faire des choses à l'échelle romande. Pierre Modet, c'est pas ça la solution? Est-ce que finalement la meilleure loi, c'est une loi dont on n'attend pas trop et puis on se débrouille avec un peu d'innovation et de l'huile de coude pour régler les choses soi-même, différemment, par la bande, autrement? Bon, c'est toujours mieux de ne pas attendre trop parce qu'on n'est pas déçu, effectivement, mais ce n'est pas avec ça qu'on va avancer. L'enjeu, là, c'est quand même innover sur des modèles, qui permettent, comme le disait Hugues Leupold, d'assurer une certaine sécurité, une prévisibilité
de l'activité médiatique. Alors, Fijou a fait l'objet de nombreuses discussions à la conférence des gouvernements de Suisse occidentale, donc le gremium des différents cantons romands, plus du canton de Berne. À ma connaissance, je n'ai pas assisté à toutes les discussions, il y a un accueil plutôt froid parce qu'il y a la perception que cet instrument nouveau, qui est intéressant dans son concept, participe quand même d'une logique de l'aide directe, et ça, c'est vraiment compliqué pour les gouvernements cantonaux. Je ne prononce pas ici pour les villes. On a vu à Lausanne des soutiens directs qui sont opérés. À Genève, j'apprends que c'est en discussion. Donc Fijou laisse un peu sceptique, honnêtement, à ce stade, mais moi, je ne l'exclurai pas d'emblée. De même que je n'exclus pas, et je pense que c'est vraiment quelque chose d'important, de travailler sur les aspects de formation journalistique. Alors, il y a déjà des soutiens qui s'opèrent, mais c'est un point que les cantons doivent et peuvent soutenir. Après, il faut des débouchés. C'est sympa de former les gens, mais enfin, s'il n'y a pas de rédaction digne de ce nom pour engager les journalistes, ça ne va pas le faire. Et c'est là que la proposition que j'évoquais tout à l'heure, sur laquelle vous m'avez posé votre question, prend un sens. C'est qu'on essaye de placer les collectivités publiques dans un chaînage où on assure une certaine sécurité, mais on n'intervient ni de près ni de loin sur les contenus. On fait contribuer de nouveaux acteurs comme les diffuseurs, les prestataires en ligne. Et c'est ce modèle-là, nous, qu'on aimerait pouvoir, avec les autres cantons, sinon expérimenter, du moins pousser. Un dernier élément, ça me semble important dans ce qu'a dit Chantal Taux, et je le dis ici aussi aux parlementaires, c'est de voir dans quelle mesure, alors c'est toujours très lourd, c'est toujours compliqué, mais la base constitutionnelle qui nous fait défaut aujourd'hui, avec l'article 93 qui n'est pas complet, puis qui n'est pas rédigé de façon moderne, ne devrait pas, hein, vous l'avez dit, on parle bien des vélos dans la Constitution, et bientôt des bêtes à cornes également, hein, si je ne m'abuse. Est-ce qu'il n'y aurait pas là un débat un peu plus urgent à mener sur cette base constitutionnelle qui donnerait alors pour le coup une vraie impulsion ? On va entendre la salle puisqu'il nous reste un quart d'heure et c'est court pour tous vous entendre. Mais juste très rapidement, oui, je vais vous laisser Marcel Regnault conclure, évidemment, mais j'aimerais entendre peut-être, je vous demande un exercice en 10 secondes chacun, surtout les acteurs médiatiques, pardon Géraldine Savary, mais on a les professionnels des médias, donc on leur demande votre dream law, votre loi de rêve, Arendaire, elle ressemble à quoi ? Elle parle de vous. Elle ressemble à rien parce que c'est pas de loi, mais je vois. J'aime pas ça. Je suis pas sûre que ça aide mon métier. Mais simplement, il y a deux vitesses. Il y a une urgence aujourd'hui. Il y a des choses urgentes à faire. C'est une des choses qui est dans cette loi, c'est le soutien à l'ATS. C'est extrêmement important. Je pense que ce qui est urgent aussi, c'est que la Poste mettre plus de moyens dans le soutien des journaux. Médias Suisses demandent vraiment une augmentation. Ils ont bien raison. Ils ont augmenté leur tarif de 24% en quelques années. C'est un scandale. Donc il y a ça. Et après, il faut passer à un débat. Et toutes ces tables rondes et tout, c'est formidable. Je suis sûre qu'il en naîtra quelque chose d'intelligent pour aller vite. Gilles Marchand, vos attentes sont compatibles avec celles d'Arendt d'ailleurs ? Moi, je souhaite avoir un cadre, une régulation qui me permet d'honorer mon mandat de service public. Le mandat est assez précisément décrit. Il est lourd, il est compliqué, il s'exerce dans toutes les régions du pays. Donc, j'ai besoin d'un cadre juridique qui me permet de l'honorer correctement. Et de ce point de vue-là, ce cadre juridique me paraît devoir, au fond, permettre de manière très simple de développer des collaborations entre les acteurs médias. Je continue à penser que la Suisse est trop petite pour se déchirer indéfiniment. Donc plus nous pouvons faire des choses ensemble, mieux on se portera tous. Et puis dernière chose, moi je constate comme tout le monde que vraiment, enfin c'est la boule de cristal pour savoir comment le marché va évoluer dans les 3 ou 4 prochaines années. Donc je pense qu'il faut éviter de figer trop les choses. Voilà, j'appelle moi à de la souplesse et de la possibilité de collaboration entre acteurs médias dans un cadre qui permet d'honorer le mandat public. Ce qui est un point commun, un point de consensus en tout cas. Antoine de Rémy, rapidement, vous faites quoi ? Je rejoins ce que dit Gilles Marchand. Mais j'aimerais quand même dire que nous aussi, les médias privés, je parle de radio évidemment, nous faisons du service public. Nous avons énormément de journalistes qui sont totalement indépendants. Et que c'est vrai que moi, j'attends aussi d'une loi qu'elle encadre quand même ces médias comme les nôtres qui faisons du service public et qu'on ait une aide d'une part pour ce service public, mais qu'on soit également préservé dans cette activité. Marcel Regnault, vous avez le mot de la fin avant les questions. Est-ce que vous avez entendu les doléances ? Oui, très bien, très bien. Ce sera certainement pas le mot de la fin, mais le mot du début. Oui, non, le mot du début. Si c'est quelque chose que je retiens maintenant de ce tour de table, ou de 3 tables, c'est qu'il y a une grande prise de conscience quant à l'état des médias en général, que l'on parle maintenant de la télévision, de la radio, des médias en ligne, mais aussi de la presse, et que les fronts bougent.
Et c'est quelque chose qui me plaît. Je crois que c'est de ça que une solution meilleure peut émerger. Je vais quand même faire un petit spot publicitaire pour la LME, parce qu'on s'est bien rendu compte que une loi à ce niveau-là, c'est la quadrature du cercle. C'est un acte d'équilibriste entre les médias écrits, les médias électroniques, la SSR, les médias privés. Trouver là un terrain d'entente, quelque chose qui fasse vivre, qui laisse assez d'espace, mais quand même en gardant certains principes, certains garde-fous, c'est pas facile. Mais je crois qu'on peut y arriver. Et ce que moi, j'appelle de mes voeux, c'est qu'effectivement, nous ayons à terme aussi une base qui nous permette aussi d'affronter les problèmes avec un petit peu plus d'aisance, parce qu'il faut bien le reconnaître, la situation constitutionnelle est très étriquée. Donc ce que l'on fait, c'est toujours un petit peu des pansements, spécialement pour la presse écrite. Si maintenant on veut faire franchir un pas supplémentaire, il faudra, je pense, bon gré mal gré, discuter ou penser à une pensée constitutionnelle pour l'aide directe aux médias, que ça le plaise ou pas. Il faut quand même bien se dire aussi que la Suisse, avec les aides que nous attribuons aussi aux médias directement, aux médias électroniques, est quand même un bon élève. Hein. Si je prends maintenant le classement de Reporters sans frontières, qui fait chaque année un classement de 180 pays en termes de liberté des journalistes, nous sommes à la 5e place. Donc je ne crains pas maintenant que jusqu'à présent, les médias que nous avons soutenus, que ce soit la SSR ou les médias privés, aient eu à se plaindre maintenant d'une intervention étatique. Mais le projet de loi veut aller plus loin, en ce sens qu'avec cette création de cette autorité indépendante hors administration, on veut encore souligner justement cette distance que l'État doit avoir par rapport aux médias, même et spécialement quand il les soutient financièrement. Donc je pense que si on donne assez de chances de vie à cette LME, elle peut encore s'améliorer, elle va évoluer, et je lui souhaite pas une vie éternelle parce qu'elle durera ce qu'elle durera, mais j'aimerais bien l'avoir arrivée à terme. Merci. Merci à vous. Dans la salle, monsieur. Bonsoir, j'aimerais vous remercier, c'était très intéressant, je ne connaissais pas le sujet. Vous féliciter pour votre unité vestimentaire, parce que c'est très fort. Et vous demander pour le citoyen, qu'est-ce que ça va changer? Est-ce que c'est une loi qui intègre le citoyen, le contribuable, l'électeur, etc. Ou est-ce que c'est juste une loi pour vous, quoi, pour vous sur, en noir, là, sur moitié? À qui est-ce que vous posez la question, monsieur? À quelqu'un en particulier? Peut-être à Mme Savary, qui représente les citoyens, et peut-être à M. Marchand, qui leur parle officiellement via BIA. C'est une très, très bonne question. Ça aurait dû être la première, d'ailleurs. Alors, ce qui peut changer pour la population, d'abord, le financement du service public est plafonné, mais assuré, à 1,2 milliard. Donc ça, c'est déjà... Alors, suivant les points de vue, mais on va dire que c'est plutôt une bonne nouvelle, en tout cas à mes yeux. Le soutien à l'ATS, il est quand même là possible avec cette loi. Ça, c'est une bonne nouvelle à mes yeux. Voilà, ça fait déjà deux bonnes nouvelles. Est-ce que j'en ai une troisième? Et puis, quand même, cette perspective d'avoir cet accord de prestation autour des médias électroniques... Donc on peut imaginer que, si vous voulez, les plateformes que vous aurez à disposition comme public, eh bien, elles seront liées avec des missions de service public. Donc une, je ne sais pas si je dois utiliser le terme de qualité, puisque ce n'est peut-être pas le mot que je devrais, mais en tout cas, une incitation à la curiosité si le système fonctionne bien. Et en principe, ça ne coûtera pas plus cher. Oui, Gilles Marchand, rapidement. Pas rapidement, disons, le dispositif de loi doit permettre aux services publics de continuer à adresser ses programmes à tous les citoyens, toutes les citoyennes, où qu'ils soient, quelles que soient les distributions. Ça, je pense que fondamentalement, c'est un élément absolument central, et c'est ça qui nous préoccupe le plus, c'est de pouvoir continuer à garder cette capacité de s'adresser à tout le monde, indépendamment du lieu, indépendamment du mode de réception, indépendamment du choix et de l'usage qui est fait. Alors, on se bat pour servir le mieux possible cette ambition-là. Alors, disons, j'ai le sentiment quand même que cette loi telle qu'elle est aujourd'hui imaginée, ou la base légale actuelle, le permet, en effet.
Ensuite, on peut discuter à l'infini de savoir si, voilà, est-ce que c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle d'être plafonné à 1,2 milliard. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement par rapport au mandat de prestation? Est-ce que les nouvelles tâches qui sont demandées au service public sont des tâches qu'on arrive à honorer correctement? Bon, toutes ces questions sont sur la table. Comment peut-on rendre ce service public plus efficient? Qu'est-ce qu'on priorise en ce qui concerne, par exemple, les différentes langues, les contenus? Bref, voilà, là, il y a un débat. Moi, ce que j'aimerais, c'est que ce débat, au fond, sur la prestation publique, soit régulièrement tenu et qu'on discute avec le public, comme on l'a fait un peu pendant cette campagne Nobilag, et même d'ailleurs de manière assez dense, qu'on discute sur vraiment la prestation délivrée. Est-ce qu'elle est à l'auteur? Est-ce qu'on peut faire autrement? Est-ce que les gens ont des attentes qu'on ne couvre pas suffisamment? Comment on arrive à fédérer des intérêts très spécifiques? C'est toujours aussi un truc très compliqué. Voilà, je trouve que parallèlement à la discussion sur la loi, ce dialogue direct avec la société, et pas seulement avec les représentants de la société, mais le dialogue direct avec la société, ça, c'est quelque chose qui est très intéressant, très légitimement, et il faut qu'on arrive à trouver un mécanisme pour le développer. Voilà, nous, on est en train de bosser là-dessus pour essayer de développer cette espèce de relation directe avec la société. Nos amis de l'UR appellent ça le contribution to society. C'est vraiment cette idée que nous sommes, au fond, répondants, et nous devons rendre des comptes aussi à celles et ceux qui nous écoutent, qui nous regardent et qui nous suivent, dans une critique utile, quoi, dans une critique constructive. Donc, de ce point de vue-là, je pense que, oui, on s'intéresse vraiment de près aux citoyens. Voilà. Ok, on continue. Je peux parler assez fort, si vous êtes d'accord. Je vais faire une question qui s'adresse aux deux représentants, Ariane et Gilles Marchand. La problématique des anciens médias par rapport aux nouveaux médias, est-ce que ce n'est pas un problème aussi de rupture générationnelle? C'est-à-dire, au fond, qu'est-ce qui fait que, malgré la loi sur les médias électroniques, on parviendrait à trouver des réponses sur les modes et les manières dont les jeunes consomment aujourd'hui les contenus informationnels qui confondent parfois avec d'autres contenus, ceux-là communicationnels? Au fond, j'ai invité, est-ce qu'on n'est pas en train de se tromper de débat parce qu'on n'arrive plus aujourd'hui à attirer les jeunes? Je suis assez d'accord avec toi, et souvent, quand je lisais aussi la loi et tout le matériel qu'il y a autour, on a l'impression que, un peu comme mes chefs et moi d'ailleurs, c'est des gens vraiment largués et qui pensent que ce qui est funky et ce qui est du média électronique, c'est des vidéos. Alors c'est déjà un peu ringard tout ça. Donc il y a un côté, effectivement, il y a un gap générationnel qui est énorme, et notre grand défi, c'est d'essayer de faire le pas. Ceci dit, on se donne beaucoup, nous, à Tamedia, on a des formations incroyables. Aujourd'hui, dans les rédactions, on est en train, là, maintenant, en Suisse romande, de chercher des data scientists. On a nous-mêmes, les journalistes, changé tous nos métiers, pas seulement pour apprendre à faire des vidéos, etc., mais on va vers des nouveaux métiers. Dans les rédactions de demain, il y aura des gens qui font du motion design, il y aura des data scientists, il y aura des ingénieurs, il y aura des choses incroyables, et il faut changer. Mais c'est pas parce qu'on est plus jeune qu'on le fera mieux, hein. Je pense que moi, aujourd'hui, dans les cellules digitales, je travaille avec des gens beaucoup plus jeunes que moi, qui m'apprennent beaucoup et qui ont quand même besoin du vieux dinosaure que je suis pour rendre tout ça accessible au lecteur à un moment et poser la question que se posent les lecteurs. Mais effectivement, il y a un gap, je suis tout à fait d'accord. Alors, bon, si on observe la situation d'utilisation des médias traditionnels, c'est-à-dire des médias linéaires en ce qui nous concerne, hein, des médias qu'on consomme sur la base d'une programmation, là, on est en chute. Dans toute l'Europe, partout, les médias linéaires sont en chute, principalement chez les jeunes, mais pas que chez les jeunes, il faut le dire. Alors, on a vécu il y a 15 ans cette disruption avec la vidéo qui s'est fragmentée, qui s'est répartie sur différentes distributions. On a tenté de faire face à ça, on a mis nos contenus sur le web, ça a été d'ailleurs l'objet de 1000 polémiques à l'époque. Maintenant arrive l'audio. La prochaine génération, la prochaine vague, c'est l'audio, ça ne fait aucun doute de mon point de vue, qui va également se fragmenter et qu'on ne suivra plus en linéaire. Alors, comment peut-on répondre à ça quand on observe de près cette situation, quand on essaye un peu d'anticiper? Je dirais qu'il y a deux règles, au fond, il y a deux enjeux en ce qui nous concerne. Premièrement, il y a la production, c'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à trouver les narrations qui permettent d'aller toucher ces jeunes publics. On fait des expériences, on fait des exemples, on a différents types de projets, d'incrustations de textes dans de la vidéo, de vidéos qu'on peut consommer de manière mobile, de rythmes aussi, de récits, hein, qui sont tout à fait nouveaux, différents, et qui permettent de toucher les populations un peu plus jeunes sans complètement mettre de côté les populations historiques. On a la réflexion maintenant qui arrive du côté de l'audio, avec la présence de nos programmes sur les assistants vocaux qui sont pilotés par des mécanismes d'intelligence artificielle qui vont vraiment occasionner une bataille sans fin pour savoir comment allons-nous pouvoir placer nos programmes sur ces machines. Bon, ça, c'est le débat de la production. Et puis, on a un deuxième débat qui est celui qui me vaut parfois les foudres de mes amis de la presse écrite, mais nous devons absolument être présents sur toutes les distributions.
En fait, nous devons aller là où se trouvent les publics et nous devons faire en sorte qu'on arrive à distribuer nos programmes de manière vraiment très, très accessible, absolument partout. Et c'est seulement là que nous arriverons à garder ce contact avec ce jeune public. Et puis, il se posera une dernière question, pour faire court, c'est comment on quittance cet effort, c'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à cumuler les audiences que nous avons d'un côté de manière classique et linéaire et d'un autre côté de manière complètement séquencée et de manière non linéaire. Cet exercice-là de consolidation, pour l'instant, c'est un peu le graal de tous les chercheurs. Cet exercice-là n'a pas été résolu. Donc nous sommes toujours dans l'incapacité d'additionner correctement notre empreinte, notre impact, les uns et les autres d'ailleurs. Et je pense qu'il y a une certaine urgence méthodologique à définir un indicateur commun qu'on pourra au fond suivre pour mesurer l'impact réel des médias, y compris chez les jeunes. Voilà. Mais ce n'est absolument pas perdu. Je m'érige en faux contre l'idée qui consiste à dire, parce que c'est un peu comme ça, voilà, on entend ça partout, on a perdu les jeunes. On n'a pas perdu les jeunes, on les a perdus sur les distributions traditionnelles. Mais on est absolument capable de garder le contact avec ces gens-là. Monsieur. Parmi les choses qui ont été perdues vis-à-vis des jeunes, c'est le fait que les jeunes ne payent plus le contenu, ne sont plus habitués à payer l'information qu'il y a sur les médias. Et cela a été évoqué, il y a l'évolution du droit voisin qui se profile, et donc à plusieurs reprises a été évoqué que la loi devait prévoir les évolutions. Est-ce que cette évolution est prévue ? Que se passe-t-il ? Enfin, comment interpréter ? Alors, ça s'adresse évidemment principalement à M. Regnotto, mais à tout intervenant. Est-ce que si cette évolution du droit au niveau européen se concrétise, enfin, elle est en train de se concrétiser, est-ce que déjà c'est intégré dans la loi ou est-ce que ce point extrêmement important est d'ores et déjà à côté de la loi, en dehors de la loi, ce qui fait que cette loi qui va évoluer n'a pas prévu cette évolution centrale ? Je crois que là, il faudra tout de suite passer la parole à Madame Savary, parce que la loi sur les médias n'est pas une loi sur les droits d'auteur. Donc tout ce côté-ci n'est pas couvert par l'objet dont nous avons discuté pendant cette heure. Mais je crois que Madame... y a une loi, la loi sur le droit d'auteur, voilà, qui est en révision. Exactement. Parallèlement, donc elle suit son propre chemin, on va dire, indépendamment de la loi sur les médias électroniques, et elle sera très très prochainement discutée. Et sachez donc que moi, je me rappelle plus ce qu'il y a dans cette loi, mais elle va venir très prochainement dans les deux commissions, la commission des affaires juridiques au Conseil national et la commission de la science, éducation, culture au Conseil des États, commission dans laquelle je siège. Et je connais un petit peu ce dossier parce que je suis membre de la Société suisse des auteurs. Donc voilà, c'est un processus qui va bientôt commencer. Et sachez que vos organisations, je ne sais pas si vous êtes journaliste, mais bon, mais les organisations professionnelles sont au taquet. Elles ont déjà préparé des amendements pour véritablement travailler sur la question des droits voisins. Donc ça sera un des gros, gros dossiers pour vous et le respect, au fond, du travail des journalistes et des médias. Une dernière question, puis je passe la parole au maire de Genève. S'il y a une dernière question. Tout le monde a envie d'entendre le maire, en fait. Donc passons-lui la parole. Boire un verre surtout. Alors, merci beaucoup pour vos interventions, parce qu'il se trouve que je dois amener à mes collègues de l'exécutif de la ville de Genève une proposition de prise de position sur la LME qu'on fera passer par Lyon des villes suisses. Et donc, vous venez de préparer mon travail, donc je vous remercie. Ça ne va pas être simple, parce que ce n'est pas totalement convergent. Plus sérieusement, quand je regarde les jeunes autour de moi, je n'ai pas d'enfants moi-même, mais des jeunes qui ont entre 16, 18, 20 ans dans cet âge-là, leur principale source d'information, c'est YouTube. Est-ce que YouTube va avoir une prestation de service public via la loi, M. Regnotto ? Je ne pense pas. Mais si je fais cette demi-boutade, c'est pour montrer l'enjeu. Un enjeu énorme pour recapter, et les jeunes ont envie de s'informer. Il ne faut surtout pas tomber dans le piège de dire qu'ils n'ont pas envie ou qu'ils ne s'intéressent pas. Ils commencent à se rendre compte qu'il faut payer via l'exemple de la musique, qui a quelques années d'avance, même si de loin pas tout est rose dans ce domaine-là. Mais je pense que ce qui me frappe aussi dans ce débat, la SSR est souvent accusée d'être le mastodonte en Suisse, mais à l'échelle européenne ou mondiale, Gilles, je crois que vous êtes un nain. Un nain de jardin. Un nain de jardin. Et le risque qu'on a en Suisse, c'est d'être entre nain de jardin et micro-nain de jardin, autour d'un gâteau qui rapetit, potentiellement, de recettes. Je ne parle pas de la redevance, mais surtout du gâteau publicitaire, par rapport à des géants qui, pour l'instant, échappent à toute régulation. Et vu la mentalité dominante des chambres fédérales, je crains que ce soit via le droit d'auteur ou via la LME ou d'autres débats législatifs. Ce n'est pas demain la veille. J'espère qu'on suivra l'exemple européen, parce que c'est absolument impératif. Il y a des gens qui se font des milliards
en diffusant des contenus ou les produisant sans aucune forme de contribution à l'intérêt général. Et donc ça, c'est absolument impératif qu'on arrive. Et là, je crois qu'on devrait être convergent. Mais je suis un peu sceptique sur les rapports de force aux chambres fédérales, mais il faut essayer, quitte à passer par une révision de la Constitution. Et je pense que le problème de l'OFCOM, effectivement, c'est le cadre constitutionnel qui aujourd'hui est restrictif. Et je pense que le principal effet du débat sur la LME va devoir être de toucher aussi à la Constitution. Encore une remarque, c'est qu'on a beaucoup parlé d'aide directe et indirecte aujourd'hui. Je pense fondamentalement qu'il est possible d'avoir des formes d'aide, on peut jouer sur les mots direct ou indirect, sans interférence, sans influence, sans prise d'influence. On peut parler de M. Maudet et faire de l'aide publique la presse sans qu'il puisse empêcher qu'on parle de lui ou d'autres cas d'affaires au sens large ou d'autres enjeux moins médiatiques ces jours. On peut le faire, on le fait déjà. La ville de Genève, par exemple, soutient les émissions Allemand Bleu ou soutient le courrier sans qu'on interfère rédactionnellement. La preuve, c'est que le courrier n'est pas toujours sympathique avec nous. Donc ça, c'est jouable et c'est faisable. Simplement, le rôle du service public n'est pas seulement de parler d'aide, c'est aussi de donner des normes et de réguler. Et il faut assumer ce terme. Il faut assumer, je sais qu'il ne plaît pas toujours à toutes les composantes politiques du Parlement, mais aussi notre rôle le politique de rappeler à l'économie qu'il y a des règles du jeu pour les équilibres et la diversité de ce pays. Alors, effectivement, on en parle avec mon collègue Grégoire Junot à midi, on va proposer à nos collègues des villes et des cantons romands, des états généraux, des collectivités publiques, parce qu'on en parle tous chacun dans notre coin, il y a des idées sur la table, il n'y a pas de panacée, il n'y a pas de solution facile, mais je pense que le débat doit continuer à cette échelle-là aussi. On verra sous quelle forme ça se fera, mais ça doit se faire rapidement. Alors voilà, un immense merci aux participants au panel, Alexis Fa pour la modération, mais aussi à tous les participants à cette journée, le panel de midi, le hackathon extrêmement riche et varié, le public qui est venu, qui a participé, et je crois que le temps est de l'équipe d'organisation, et donc le moment est venu de l'apéritif. Belle soirée à toutes et tous.